Hey, salut les amis, ici Chaotique et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft avec mon ami Fuji. Salut Fuji. Salut tout le monde, salut les cocos. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Alors, la dernière fois les amis, on s'était quitté, on était revenu à notre maison de bouse, magnifique maison de bouse. Et maison. Voilà, on était parti dans des galeries au fin fond de la galaxie, au fin fond de la map. Au fin fond de la map. On avait trouvé du diamant. Du diamant et de l'or, et on avait pris de l'obsidienne pour aller dans le portail du Nether. Eh oui, dans le Nether. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui pour vous, les amis? Eh ben, Fuji a prévu quelque chose pour vous. Moi, j'ai préparé quelque chose aussi pour vous. Ben, je vais le préparer. Et Fuji, je te laisse expliquer ce que tu vas préparer aujourd'hui. Alors, je vais préparer aujourd'hui un petit champ automatique. En fait, ça va récolter automatiquement le blé. Le blé, d'accord. Tu vas pas le replanter parce que je ne sais pas le faire. Replanter automatiquement, mais récolter, je sais faire. Ok. Alors, vas-y, explique-nous un peu le principe de ta récolte automatique. Eh bien, en fait, tu vois, j'ai fait un petit champ en genre d'escalier. D'accord. Tu. Là où il y aura des pistons qui vont bloquer de l'eau. D'accord. Quand tout le blé sera poussé, tu appuieras sur un petit bouton que je vais mettre une sedus. Et l'eau va couper et elle va couper le blé toute seule. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est on n'a qu'à récupérer le blé ici en bas. C'est très astucieux, donc faudra faire un petit bac ici, je suppose, pour récupérer le blé. Ouais. Il va falloir faire gaffe avec l'eau parce que vu qu'il faut de l'eau pour faire pousser le blé, il va falloir que je la cache, sinon ça va faire des sources. Si l'eau veut que dans les pistons elle se croise avec l'autre. D'accord, pas de soucis. Donc voilà, donc on va faire ça. Donc le blé là-bas, je suppose que l'eau va être ici. Ah, sympa ce système d'escalier comme ça. Bon, j'ai commencé à faire mes pistons parce que vu que je sais pas combien de temps ça va durer, je pense que ça va durer quand même. Ouais. On avait la dernière fois dans la dernière vidéo, on avait repris tout ce qu'il fallait, donc du bois et tout, de la pierre, de l'eau, de la redstone. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous incite à les voir, n'est-ce pas Fuji, hein, et à aimer, commenter, etc. Et à vous abonner à la chaîne de Fuji et à ma chaîne. Voilà. Voilà. Et toi, au fait, que vas-tu faire dans cet épisode? Alors, on a parlé de moi, mais on n'a pas parlé de toi. Exactement. Alors, comme on l'avait dit juste avant, la dernière fois, on s'était quitté avec de l'obsidienne dans les mains. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un petit briquet. Et vous avez tout de suite deviné que je vais faire un portail du Nether. Et oui, et on va se rendre... On va se rendre dans le Nether pour récupérer, j'espère, un peu de la... je sais plus comment on appelle le truc qui fait de la lumière. Enfin, voilà. La glowstone, voilà. Et enfin, je vais récupérer un petit peu de ressources là-bas et essayer de m'avancer sans me faire tuer par les gastres, etc. Bon, on est un peu stuff hein, à part les chaussettes. Ouais, sinon, j'ai vu qu'il y avait du fer. On va pouvoir aller faire une chaussette. Ah bah, exactement. Ah, attends, donc... fais ça. Vas-y, je crois qu'il y a, il y a du charbon. Tu peux récupérer les steaks qui sont dans ce petit four. Non, je te donne des chaussettes. Je te donne. Voilà. Oh là là. Donc, allez, je vais te suivre un petit peu le temps que tu puisses nous montrer un petit peu ta ferme automatisée, ta récolte automatisée, et ensuite je vais partir tout de suite faire ma petite pièce spéciale du Nether. Et j'espère que tu pourras nous rejoindre ensuite. Oui, j'espère. Je vais essayer de faire ça assez vite. Je vais me faire une faux, là, je sais pas. Voilà, du bois. C'est là. J'ai un petit peu perdu encore avec les touches. J'ai habitué à la version PC alors. Alors, des chaussettes, je vais les mettre tout de suite. Voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut là. J'aurais pas besoin de revenir, je pense. Ah, ouais, je suis bien stuff pour aller dans le Nether là. Y'a pas de soucis. Juste ce qu'il faut normalement. Le bois, on va le remettre là. Ah oui, puis je devais aussi montrer comment on faisait pousser les champignons. Ah oui, exact. Tu l'avais dit à la fin de la vidéo, je crois. Je crois que ça fait bien 3-4 épisodes que je l'ai dit. Ouais. Bon, c'est pas grave, le plus important c'est le champ de blé. Parce que celui-là, il commence un petit peu à faire pitié. Ah, et il y avait. Là, du coup. Oh, je dois. Eh, t'as vu, ils nous ont pété nos citrouilles, les bêtes là. Ah,
On avait un petit visiteur au début de l'épisode, mais il s'est sauvé. Dommage. Ouais. Un petit peu là quand même. Donc je vais faire un peu de la place tout de suite dans mon inventaire. Comme ça, qu'est-ce que je vais jeter? La bouffe je garde. Donc déjà, pour le moment on va faire un petit champ parce que voilà on est que deux. Je l'agrandirai peut-être plus tard. C'est juste pour vous montrer comment faire un petit champ automatique. Plus vite, tout ça j'en aurai pas besoin. Du bâton, je vais en avoir des bâtons, du bâton. Des bâtons, j'en avoir besoin. De la laine blanche, je vais pas en avoir besoin. Ça aussi, je vais en avoir besoin. Ça, je le jette. Graines de citrouille, je les mets. Et des champignons. Hop, voilà. Je vais récupérer. Je vais récupérer du bois au cas où j'aurai à faire une table de craft. Alors, je vais juste prendre du bois aussi, moi. Je vais faire un truc très important. Vas-y. Désolé les amis, c'est un temps de préparation pour faire tout ça, mais vous verrez par la suite, ça va donner. Et je pense aussi que par la suite, on va essayer de trouver le portail de l'End. Pour aller foutre la raclée au dragon. Ouais, à mon avis, ça va nous prendre pas qu'un épisode ça, parce que soit on a de la chance, on tombe tout de suite dessus, ouais. Ça peut arriver parce que des fois... le donjon, on le voit déjà de l'extérieur. Bah en fait, tout ce qui est trucs extérieurs, on le voit. Mais des fois, il faut creuser pour trouver les trucs. Alors, ça va être dur. Ouais, on verra. Déjà, il va falloir crafter des yeux. Attends, des yeux, je sais plus quoi. Là. Je sais un peu ce qu'il faut craft. Si, sur des Enderman ou un truc comme ça. Je ne peux pas dire. Bon, bref. On n'est pas là aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc vas-y. Bon. Je vais commencer tout doucement. Oh oui, je l'ai eu. Magnifique. Oh bim. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bon à l'arc. Oh bim. Ah, je l'ai pas eu. Et je suis en train de tuer des moutons. J'essaye de tuer. Pardon les amis, essaye de tuer les boutons là-bas, mais je galère. Donc voilà. Voilà. Bon, par contre, j'ai des moments avec la rétine, j'ai un petit moment de réflexion parce que je suis pas un pro. Il me faut du temps pour comprendre. Oh, c'est des pistons, ça devrait aller. Ouais, mais en fait, tu vois, regarde, moi quand il y a deux pistons à coller entre eux, j'arrive pas à les faire décoller en même temps. Ah oui? Tu veux dire en l'air ou aligné? Aligné avec la redstone, etc. Ouais. Bon, d'abord, je vais démonter ça. Les pistons, je sais pas comment j'en ai fait. Je sais pas si j'en ai fait assez. Je pense qu'on en a assez là. T'en as assez? Bon. Et donc, pendant Fuji galère à faire son champ automatisé. Une map PVP aventure, comme je l'avais dit, est en construction. La dernière fois, on avait fait une petite vidéo sur une petite arène avec mon ami Fuji ici présent. On s'était bien marré. On a encore des petites modifications sur cette map, mais vous verrez, on va faire tout ça et on va refaire une vidéo là-dessus. J'ai déjà commencé à modifier un petit peu parce que c'était vraiment merveilleux. Ouais, et là, c'est vraiment une map. Comment dire, Fuji, c'est vraiment une map monde ouvert où des gens pourront construire leur maison, etc. Je sais pas, c'est du FK, c'est ça que t'appelles comme ça? Non, le FK c'est pas comme ça. Le FK c'est, ouais, c'est... plus une tu fabriques une base qui en coûte 5 à son côté et puis on se tape. Ah oui, voilà, puis après on se tape juste après. T'as 3 nuits à attendre et après tu te tapes dessus ou un truc comme ça. Voilà. Et là c'est vraiment un monde ouvert où vous pourrez récolter des ressources, etc. Pardon. Vous pourrez récolter des ressources, aller chercher des trucs. Enfin, vous pouvez vous rendre partout. Allez vous rendre dans les arènes parce qu'il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura une ligne de métro, etc. qui est en construction. D'ailleurs, on galère bien pour tout ça. Ouais, vous verrez. Et là, c'est bientôt. On va sûrement faire une petite vidéo présentation vite fait là-dessus. Mais c'est rien d'encore sûr. Hein. Par contre, je suis désolé de te couper, mais je sais pourquoi tu allais faire dodo. Ah, ouais, comme ça. Sinon, oui, les mobs, ils vont m'emmerder quand je vais faire mon champ. Exactement. Donc, et puis moi, comme ça, vu que tu n'as pas encore commencé, j'irai tout de suite faire ma petite pièce du Nether. Je me rends dans le Nether tout de suite.
Voilà, donc ouais. On disait qu'on était en train de faire ça, mais on a du mal, mais on le fait pour vous. Mais ça avance, n'empêche, ça avance. C'est long, mais ça avance. Voilà. Alors les pistons, ils sont mis. Mais bien sûr, vous avez pas tous les droits, n'empêche. Hein. On le dit bien parce qu'il y a des petits malins quand même. Hein. Ouais. Ouais, il y a des petits malins. Du coup, voilà. Donc on fait ça. Donc je vais faire le nether ici en face de notre abri. Comme ça, ça sera fait. Hop. Ah. Moi, je suis un petit peu concentré, donc hein, c'est pour ça que je suis calme. Vas-y, bon, je vais le faire à la pioche en fer, ça ira beaucoup plus vite. Là. Une pelle, j'en ai une. Bon, une fois que je vais être parti, moi. Juste, ouais. Je trouve le bon moment. Quand les pistons sont là, je pose là. Ah, ok. Ah, écoute, je vais pas le faire devant la maison parce qu'il y a des trous partout. je vais le faire plutôt. Comment je le faire ici? Ouais, ici, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, je vais le faire ici. Faire une belle ouverture. Bien. Voilà. On va reculer un peu les pistons, parce que ça ne va pas trop là. Voilà. Je ferai l'entrée après. Je fais du 2 sur 2 en me dépêchant. Alors, j'espère que quand j'aurai fini de construire tout ça et quand je serai revenu du Nether, j'espère voir de l'amélioration, mon ami. Mais oui, t'inquiète pas. Merde, j'ai un mauvais endroit, moi, comme un abruti. T'inquiète pas, c'est déjà commencé là. C'est déjà commencé? Bon, ça va, c'est super là. Juste le temps que je me mette bien dedans. Pas de soucis. Hop, voilà. Ça c'est bon maintenant, on va vous. Ah ouais, le gravier qui subit la pesanteur. Voilà. Il y a mieux comme ça. C'est bien, c'est que ça me fait mon toit, ça. Parfait. Ah, ça fait mon plafond. Parfait. Voilà. Donc là, je suis bien, je vais le faire ici. Voilà. Sinon, on sera là. Bon, les amis, vous voyez rien. Je vais me faire un peu de torche. Voilà. Hop. Hop. Et pour faire les petites torches, j'ai une idée très sympathique de faire de la lumière. Vous verrez. Enfin, moi, j'aime bien. Oh oui. Oh oui, c'est normal. C'est gratuit. C'est gratuit. Oh, oh. Voilà. Donc, je vais déjà quand même éclairer. Quand même, parce que là on voit rien du tout, c'est vraiment le noir complet. Est-ce donc, que normalement c'est ça les pistons? Non. Oh là, j'ai du mal là. Je fail. Comme tu je fail? Dis. Oui. J'ai fait un étage trop haut. Ah, je vais la faire ici ma lumière. Hop. Ça va être super. Ouais, je suis bête. Un truc à mettre sur les pistons. Voilà, je vais faire hop. Hop. J'ai oublié qu'il fallait mettre deux. Voilà. Il ira mieux là. Hop. C'est bien, c'est qu'on fait deux choses différentes en même temps. C'est qu'au moins, on fait pas la même chose. De toute façon. Voilà. C'est deux vidéos totalement différentes. Comme ça. Voilà. En fait, c'est deux vidéos en une. Hein. Ouais. On est vraiment bon parce que deux vidéos en une, je sais pas, il y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Mais en tout cas, vous verrez juste après tout ça, juste après la ferme automatisée, on se retrouve avec mon ami Fuji pour faire pour aller dans le Nether chercher le dragon. Alors là, je pense que ça va dépoter. Non, c'est pas dans le Nether, dragon aussi. Non. Normalement, je crois qu'il y a un portail, mais je crois pas qu'il est dans le Nether. Hein, il y a un portail. Non, le portail est dans le monde normal. Ouais, je crois. Hein. Parce que souvent, il enfuit dans l'eau. Ouais, sûrement. Je saurais pas te dire. Là. Souvent, il est enfui j'ai dans l'eau. J'ai jamais été à part cheater en faisant un portail comme ça à l'arrache. Non, j'ai jamais fait. Moi non plus, j'ai jamais fait. Et justement, ça sera bien de le faire. Ce sera bien de le faire.
Bon, vous voyez, les amis, mon système Redstone, c'est vraiment un truc basique. Hein. C'est rien de compliqué. Une ferme automatisée, à moindre frais, et très facile à réaliser. Merci, tout Fuji. Hop là. Méthode Fuji numéro 2. Fuji voilà. Nous a montré comment monter avec des blocs. Là, il nous apprend une ferme automatisée. À moindre frais. Donc, il me à faut moindre frais. Il manque un levier, normalement. Ah ouais, c'est bon, il y a plusieurs ferry craft. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas encore trop stuff en diamant, il n'y a rien, c'est vraiment. On est encore à la base, quoi, on va dire, de tout ça. Bah, tu me diras, les armures en fer, elles sont déjà vraiment pas mal. Hein. Ouais, elles sont bien, ouais. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, c'est bon. Ça marche? Oui, les pistons marchent. Oh, je ne vois plus rien, je suis dans le noir. Alors, hop, alors, mon petit système d'éclairage sympatoche. Voilà, alors, c'est juste de laisser. Je m'organise pour l'eau. Pour pas que l'eau elle se confonde avec l'eau que je vais mettre là-bas. Hop. D'ailleurs, là, on va faire un petit trou pour récupérer le blé. En même temps, je fais un peu de récolte pour faire notre future maison, Fuji. Impeccable, ça. C'est super, ça va être bien, ça. Donc ensuite... Ah ouais, alors là, il est où? Il est là, et je l'ai fait là. Ok, d'accord. Un peu sous. Là, ça n'en a plus besoin. Là, faut. Et voilà, normalement, il y a tout ce qu'il faut, là. On met de l'eau là-bas dans le fond. Voilà, voilà. Moi, je récolte bien mes petits blocs de pierre. C'est bien, c'est qu'on va pouvoir les lisser par la suite et faire un beau petit truc, une bonne petite maison avec de la pierre. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Pardonnez les amis pour le bruit, si vous entendez le bruit. Il y a du bricolage. Du bricolage, il y a du bricolage. Ça bricole dur. Hein. C'est des cubes ici, c'est des cubes. Référence nous au Fantasio 974 et au Bob Lennonien. Tout à fait. Donc le levier est un petit peu caché pour le trouver. Hein. Alors voilà, donc j'ai fait ma petite pièce sympathique. Que je vais pouvoir. Ah, ça m'embête, c'est la terre là. Pff, bon, ça maintenant, comment j'ai procédé pour. Alors, je vais mettre ça aussi. Comme ça. Ou I ou AA. Normal, normal. Non, l'eau elle passe là. Ok, donc on va pas mettre là. Hop. Voilà. Alors, hop. Là, la barrière plutôt, c'est mieux. Ça m'embête la terre, je change la terre. Part. Ah, si, j'ai encore de la pelle. Oh, j'ai encore une pelle, c'est magnifique. Ouais. Bon, le champ avance plutôt pas mal. Il avance plutôt pas mal. Ouais. Ma petite pièce aussi, j'ai bientôt terminé la pièce. Je vais pouvoir attaquer le portail après. Je fais juste mon plafond, je déblaye encore, j'enfonce mon truc et ça va être bon. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc ensuite, alors là, faut que je m'organise, je vais mettre des trucs comme ça. Voilà, donc là je fais ça. Je pense que ça va être super. Ah oui, par contre, c'est pas comme sur Xbox, sur PC, là, dès qu'on marche, ah non. Fait que dès qu'on marchait sur assis. Ah ça c'est moins cool ça. Parce que sur PC il faut sauter pour casser. Alors là, dès qu'on marche dessus ça se casse. Ouais. Bon, on va mettre de l'eau. Oh, il commence déjà à faire nuit. Tu vas dormir? Bon. Ah j'allais c'est dire. Bien d'y aller. Hop! Bon, j'espère qu'il n'y a pas de mobs qui vont venir m'emmerder.
Bah, normalement, c'est assez éclairé, hein. Donc voilà, l'eau elle va passer là. Attention, moi, c'est toute une organisation. Hop. Bon, je fail, c'est pas grave. Hop, je fais mon truc comme ça. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Je vais y aller doucement. Ok, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. c'est vraiment la journée du fail, là, pour moi. Ah. Hop. J'espère okay. Que les mobs vont pas venir m'emmerder. Parce que moi, il fait vraiment sombre, là. Je vais chercher des torches. Désolé, les amis, si je coupe comme ça, pas mieux. J'entends des zombies, déjà. Et j'ai pas les pistes, moi. Ok, alors, hop. Normalement, ça devrait aller, hein, normalement. C'est assez éclairé, je trouve. Hein. Et j'ai oublié de prendre l'oxygène. Ah, par contre, comme d'habitude, j'ai oublié de mettre un petit timer. Hop. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne là. Et je vais me faire tout de suite un briquet. Normalement, oh, je vais faire à l'arrache là. J'ai du fer sur moi. Non, j'ai pas de fer. Non, genre. On va me servir de la montagne. Donc les briquets, c'est où ça? Est-ce qu'on a des os de squelettes dans le coffre? Des on os de un peu le principe. Des os de squelettes Pourquoi? Non, pas du tout. À mon avis, faudra aller faire du mob là, si tu veux des os. Hop, voilà. Ah, et moi j'en ai deux si tu veux. J'en ai deux sûrement. Ok, bon, on verra. Tiens. Avec deux, je suis là, hop, je te l'envoie. Voilà, tiens, prends-les, je suis derrière toi. Voilà, je les ai vus. Voilà, il y a oh d'autres petits. Je vais manger un petit peu. J'ai très faim. Tu as très très faim? Oui. Donc, alors, mon portail. Les animaux, vous vous barrez là. Waouh! Mon portail laser, je vais le faire là. Donc voilà, le champ est prêt. Donc après. Bien sûr, il faudra faire des petits chemins pour venir à pied parce que voilà, si on prend son texte tout à chaque fois, ça va pas être cool. Voilà. Voilà. Je crois que je ne fais pas de fail. Mmh. Hop. Je fais ça. Je prends mon oxygène. On va mettre de l'eau ici. Hop, oui, parce que les amis, je sais pas si vous, mais ça marche avec deux en haut et deux en bas. On n'est pas obligé de faire avec. Ah oui. Avec 4-4-4-4. On n'est pas obligé. On peut faire deux en haut, deux en bas. Et comme ça, après, on remplit avec les quatre sur le côté. Et regardez, hop, je prends mon petit briquet qui va bien. Planter en même temps. Hop, et regardez. Ça brûle. Eh ben non, ça marche pas. Je sais que sur PC ça marche. Je suis trop deg. Je voulais montrer un truc. Je suis trop deg. C'est pas grave. Oh là 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 là. Heureusement qu'on a pris ce qu'il fallait pour faire tout ça. Et moi dans l'autre épisode qui dit ouais mais non Fuji, t'inquiète, on en a besoin pas beaucoup. Ok d'accord. Heureusement que Fuji m'a pas écouté, on a pris. Je sais que sur PC je faisais ça et ça marchait, je sais pas pourquoi ça marche pas. Moi le champ, il va être fini. Ah ouais mais attends, je l'ai peut-être fait trop grand ce truc. Non? Bon les cochons ils commencent à me brouter là. Je vais faire un michui moi tu vas voir. Je l'ai fait trop grand. Quelle bébête. Eh non, mais toi tu te bats. En fait, si ça marche. Ok. Parce que je l'ai fait un poil trop grand. Mais ça marche. Donc, les amis, je n'ai pas fail. J'ai ce qu'il me faut en pierre. Je vais prendre de la pierre parce que je vais faire un abri tout de suite là-bas, autour du nether.
Et j'ai Alors, du je dis quand bois. même qu'on n'allait pas faire un petit champ, un grand champ, mais il est quand même déjà pas mal, hein. Et quand même déjà pas mal. Allez, donc Fuji, je te laisse, je m'en vais dans le Nether. Allez, salut. Hein. Voilà, bon, moi c'est fini le champ. Hop, entrée dans le Nether. Donc hop, c'est parti. Oh, il y a plein de champs pipi. Je Je verrai. prends pipi. Oh putain, il y a un gaz. Oh, direct me fait attaquer. Ah, heureusement que j'avais prévu de mon arc et des flèches. J'ai des petits coups de lac, je sais pas toi si tu les as. Non, pas du tout, ça va. Je le touche pas du tout. Bon, je vais le Et buter. là! Oh Moi, ça putain, lag un mais petit peu. il y en a partout, il y en a partout. Donc, Oh, que c'est magnifique! on Mon va ami, sur quoi je tombe? un donjon. Non, c'est magnifique. Et donc, bon, bah, à la prochaine, c'est sûr. Ça lag, moi, là. Je sais pas, toi. Peut-être parce que t'es dans le Nether, je sais pas. Peut-être, peut-être. Voilà. J'espère que les gars, ils vont pas me faire chier. Il y en a un juste là. Hop. Tout ça, je vais ramasser. Je sais pas, je crois que la pioche irait plus vite, je pense. Bon. À la pioche, j'ai dit à la pioche. Ouais, ça va beaucoup plus vite à la pioche. Bon, le champ. On va pouvoir cramer du truc à l'infini. Wow! Y'a un squelette qui me tire dessus! C'est vrai? Peux pas finir mon champ tranquillement! Donc hop. Bon, je m'en fous de la brique que je fais parce que on s'en Bon, fout un j'espère peu. vite fait, vite fait, parce que le squelette il me. Ah, voilà. On va pas garder mon vulgaire. 1, 2, 3. Non, c'est 2. Bon, c'est pas grave, on est en trop. Est-ce que j'ai du bois? Oui. Oh punaise, je me fais attaquer encore. Il est où? Il est où? Il est où? Là, Il est où? c'est. Il est là. Et c'est pas possible. Voilà. Allez, viens, viens tout ça. Oh, je suis en train de cramer. Oh, je suis en train de cramer. Je vais résister, je vais résister. Je suis un résistant. Merde, il est juste là, enfoiré. Tu crois pour qui là? Je vais donner un autre. Je vois plus rien. Je vais prendre des torches quand on est là. Je vois plus rien. Oh punaise. Oupinez. Oh oui, j'ai récupéré des trucs de magma. J'ai vu, il y a eu un. Je sais plus comment on Un appelle ça là. McRib. Ah, voilà, exactement. Merci. Heureusement que t'es là parce que je sais plus les noms. Hein. Oh oui, je l'ai eu. Oh, ça y est, je l'ai eu. Ouh, j'ai oublié de désactiver les notifications. Donc, Et il y en a encore un autre, allez, c'est parti! je dois faire des torches. Allez. Ah bon, les amis là. Oh punaise, mais non, ils sont trop nombreux là. Et il y en a deux là sur le côté. Bon, par contre, je sais pas combien de temps on tourne là. Tu sais pas? Non. Bon, au pire, c'est pas grave, on prend un épisode plus long que les On fera derniers. l'épisode plus long, ouais, exactement. Moi, je tiens à finir mon champ. Ouais, pareil, je tiens à faire tout ça. En plus, je vais essayer de partir en exploration pour montrer tout ça, là, tout le donjon. Oui, le squelette là. Longtemps. Hop. Chacal. Voilà. Non, je ne veux pas rentrer. Celui-là, je le casse. Il est où? Comme ça. J'ai entendu tomber! C'est vraiment un abri de fortune là, que je fais Là-bas. ici. Alors on va se le faire, les amis. Super. Hop, voilà, c'est Ça vraiment. ramène moins là, hein. Ça ramène moins. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment vite fait. Donc voilà, donc on en était là. Donc je pense que c'est bon, là, on peut planter. Merde! Hop. Vite fait, bien fait. Bon, bah, je casse tout. Voilà, donc je vais pouvoir me faire un coffre ici. La marque, l'arnaque, en plus on perd les graines quand on casse. Hop, une table de craft. Hop.
Bon, le système de navigation entre sur le champ, il reste à revoir, mais sinon ça fonctionne là. Ça fonctionne? Tu veux venir voir? Attends, je vais venir après. Je vais mettre tout de suite les trucs de magma. J'ai 27 netherrack. Je vais manger parce que je souffre. Hop. Bon, par contre, elles sont où les... Et là, je pars tout de suite à l'aventure. Direct. On fout des gastres. Oh punaise. Oh punaise. Oh, je m'en fous pas tellement. Là, il y a de la lightstone. Je vais essayer de la récupérer vite fait. Moi, je cherche comment on fait de la. Kudolos. Je trouve pas le craft a... sur la table. Et on a tout ce qu'il faut là. Il y a plein de trucs ici. Il y a. Il y a un bloc de. Oh putain, je sais même plus du coup. Hey, oh là là, mais ça te... moi ça te va plus. Hein. C'est de la pierre incassable. Voilà, Fuji, merci. La bedrock. Voilà, la bedrock, punaise. Punaise, la bedrock. Mais je suis trop bête. Elle est où la poudre de bedrock là-dedans, mon gars? Ah, mais c'est pas possible, je me fais attaquer de partout. Bon, je ne trouve pas la poudre là. Ça m'arrange pas. Il me semble que ça fait yes. Déjà un petit 20-30 minutes qu'on tourne. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. De combien? Environ 30 minutes là. 30 minutes déjà, quand même. Ah ouais, ça passe vite. Eh oui, j'ai eu le gast. Et il y en a encore tout plein. En fait, je crois que je les attire. Je sais pas ce que moi, je vais t'attendre pour montrer mon champ. Eh ben écoute Fuji, moi je vais venir parce que là c'est vraiment dangereux, je crois que... Ah, je peux pas... là je peux pas là. On ira à deux. Ouais, on ira à deux, t'inquiète pas. Tant pis, j'ai quand même fait ça, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je vais regarder ton petit champ comme ça et après on se quittera là pour aujourd'hui. Oui, il faudra juste que je modifie un truc pour naviguer dans le champ pour replanter. Ok, d'accord. Pour tout casser. Donc, en gros, vas-y, explique-nous un peu. Eh bien, c'est beau, en fait, hein, t'as fait un beau truc, quand même. Mais regarde bien, regarde, mets-toi en face. Attends, je vais mettre en face. Que des graines, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ça. Hop, vas-y. Je vais te faire une démo en ligne. Attends, attends, fais voir. Et le levier, il est où? Il est là, juste là. Juste là. Et tu voulais pas le mettre plus là-bas? Non. Genre ici, genre enfin, ici. Je peux. Ici, genre ici, comme ça, t'appuies ici, t'es pas obligé d'aller là-bas, etc. Ouais. Attends, enfin, c'est un problème là. Il y a un problème, ça marche pas? Non. Ah, attends, je crois savoir pourquoi. Alors, est-ce que l'eau coule là? Non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'on a encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, mais pourquoi il a cassé lui? C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ta faute? Je rectifie ça tout de suite. Ok, d'accord. Pas de soucis, y a pas de soucis, mon ami. Comme on disait tout le temps, le fail, c'est notre spécialité. Exactement. Et donc là, ça fait quoi là? Et il se passe rien là? Non. Bah, depuis quand ils font un bruit pas possible? Ils sont ouverts là. Eh, t'es sûr que t'as fait des pistons collants? Ah, quel bourré! Quel bourré! Voilà, j'ai trouvé là! Attends, j'ai réglé le problème tout de suite, en 2 secondes c'est fait. T'as pris ce qu'il fallait ou pas? Ah ouais, en 2 secondes c'est fait, regarde, tu vois. Donc en même temps. Ah, bien sûr, je suis fou là. Vas-y, jette-moi ça, voilà. Ça va, 2 secondes, chrono. Ok. Hop, t'es là. Allez, on remonte. C'est bon. Ça aurait bien que j'avais carrément oublié le piston collant. Eh oui, voilà. Je m'en doutais que je fais. Ah, j'entends le bruit des pistons, mais les pierres elles bougent pas. J'ai tout de suite compris ton système. Je fais oh, les pierres elles bougent pas, c'est pas normal. Ok, bon, donc on voit le principe. Oh. Allez. Merde. Voilà.
Ah bah voilà, tu fais clac clac. Tu peux remonter le piston, s'il te plaît. Hein? Tu peux activer le levier, s'il te plaît. Et tu veux pas que je casse et toi que tu mets tout de suite? Tu veux tout faire? Bah si, allez. Vas-y, alors t'es prêt? T'es prêt? 3, 2, 1, commence. Voilà, comme ça on va pouvoir montrer en masse. Du coup, je marche sur ton blé. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais en bas et regardez. Oh, que c'est magnifique! Voilà. Et on récupère tout ce qui est là. Et tu peux rappuyer sur ton levier. Voilà, et c'est magique. Voilà, bon, vous avez un petit moment de fail, mais voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, magnifique. Le B sera ici, on n'a plus qu'à replanter. Voilà. Si vous voulez faire une ferme automatique, eh bien voilà. Pour ceux qui ont des grands champs, ils ont la flemme de tout ramasser à chaque fois. Et ça marche avec tout, quoi, quasiment, quoi. Ouais, je sais juste pas si c'est possible de faire une replantation automatique, en fait. Une replantation automatique? Non, ça, je pense que c'est pas possible. Non, je pense pas non plus. Bon, bref. Après, on pourrait montrer comment récupérer de la canne à sucre tout seul, automatisé. On pourra le faire dans le prochain épisode. Si vous voulez qu'on vous montre tout ça, tous les trucs automatisés, surtout, dites-le nous dans les commentaires. Alors, mon ami, on va se quitter là pour aujourd'hui, car ça fait déjà un bon petit moment qu'on tourne. Je vous dis, tout le monde, les amis, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à aimer la vidéo. Et le petit mot de la fin pour mon ami Fuji. J'ai faim. Une bonne soirée à tous et à toutes. Allez, salut, ciao, bye bye. Bisous, bisous.